agir ensemble pour la paix et l'unité nationale. C'est par ces mots d'apaisement et d'union que le président de l'ONG Agir Ensemble pour lutter contre le chômage et l'emploi précaire a débuté sa déclaration aux différentes classes sociales guinéennes suite aux violences qui ont émaillé le pays au lendemain des élections présidentielles du 18 octobre 2020. Relayant l'histoire du pays à travers sa composition géographique, ethnique et raciale, ces jeunes ont pour objectif condamner avec fermeté la croissance de la violence post-électorale par endroit en Guinée. Car la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Chers compatriotes, la Guinée est une famille, une et indivisible, à l'image d'une voiture à quatre roues. Si une roue crève, l'engin ne roule pas. Alors, donnons-nous les mains pour bâtir une Guinée unie et prospère. Balayant d'un revers de main la politique guinéenne, Mamoudou Sylla invite les jeunes et les différents présidents des coordinations régionales à s'impliquer davantage pour la paix. Nous lançons également un appel aux jeunes de se mettre à l'abri des manipulations politiques pour un meilleur avenir, car rien ne se construit dans les désordres. Nous invitons aussi les chefs religieux, les parents et les quatre coordinations régionales à s'impliquer davantage dans le processus de paix et de réconciliation nationale pour le développement de notre chère patrie, la Guinée. Soucieux pour la paix, la quiétude et la cohésion sociale, les membres de l'ONG Agir Ensemble pour lutter contre le chômage et l'emploi précaire, parmi tant d'autres Guinéens, ont fait cet appel dans différentes langues du terroir. Moi, j'ai l'élection finalement. Moi, j'ai un grand Kenyan, Fafra Kenyan, nous, les Guinéens finalement. Alors, on a un bon sadi, on a un bon sadi, on a un bon sadi, on a un bon sadi. La Guinée, c'est un bon sadi. Angam bolo dinyo mayin kele to yundo san na gemana do wanye fenya menka ala mama de bena e mila no digama on fo fi fe pal e gonin dire ngure nyeto di mu population dona nundo nyongum balan mi benda lo inaten songala ndani natente nena ncho ha kisino chole beresene chole foleno chole natu. Pour l'instant, la Guinée vit sous une tension de violence, soldée par des morts, pillages et d'affrontements. Le calme est revenu dans le pays suite à l'implication des ONG et de la communauté internationale. En attendant, les résultats finaux de la vitrine de la justice guinéenne qui est la Cour constitutionnelle. Agir ensemble pour la paix et l'unité nationale.